et globalement pour à peu près tous les matchs en Betclic Elite. Koundou, il les connaît ses paniers, il les connaît ses lignes. Côté Scholte, Mathieu Strazel. Et ça rentre, la flèche longue distance de Mathieu Strazel. Strazel pour shooter à mi-distance. Et encore Boris Dallo, même s'il échappe ce ballon, et c'est Moté Jounas qui signe son entrée d'intérieur lituanien. Elio Kobo avec ce ballon pour Moté Jounas qui s'est joué de Darrell Poirier. Dominique Artis, allez, à lui de rentrer dans son match maintenant. DJ Campbell dans le corner de la Leaders Cup. Darrell Poirier, ah, c'est dedans. Cholet qui repasse devant. Cholet basket de gagner ce ballon en défense. Pas de faute de Darrell Poirier là sur cet écran viril sur Moté Jounas. Et derrière Kim Tilly. Ça sort très fort sur Elio Kobo, Moté Jounas. Duel avec Perry Ellis. Il prend les choses en main, Moté Jounas. Et se hisser sur le fauteuil de leader en compagnie des Monégasques. 1-3 points. Il tombe dedans. Et 26 à 24. Moté Jounas, qui avait pris le meilleur sur Dominique Artis, qui est à 13 points désormais. Oh là là, encore ce festival de TJ Campbell, lancé inarrêtable. Artis, oh là 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 là, Dominique Artis qui fait très très mal au Monégasque. A testé le parquet de Saint-Chamond puisqu'ils auront affronté les joueurs de Pro B à l'Arena Saint-Étienne Métropole. Ils pourront prolonger le séjour puisque deux jours après, est-ce qu'il a encore du carburant dans le moteur, Mike James? Elio Kobo qui avait réussi à faire sauter Justin Patton. Ah, finalement, Enzo Guducina. Ah, le ballon intercepté par John Brown, sa spécialité. Ah, il va déposer la balle dans le cercle en contre-attaque. 4 points d'avance pour Cholet. Gaëlor Curier. Oh, la trajectoire parabolique qui termine sur la planche et dans la ficelle. Yokobo qui ressort pour Yakuba Ouattara. La réponse de Yakuba Ouattara. John Brown et Yokobo. Ouattara qui attaque le cercle. On voit un peu du pays. Il y a moins de capitale européenne qu'en Euroleague, évidemment. Donc, en termes de logistique, ça fait parfois des déplacements. Oula, alors qu'à 3 points, ça tombe encore. Il a tenté l'interception, John Brown. C'est Yakuba Ouattara qui gagne ce ballon. Et qui va apporter l'écart à plus 5. Allez, c'est à lui qu'on donne la balle dans ces moments-là. Dominique Artis. Le sidestep et le gros shoot de Dominique Artis. Je crois qu'il est comptabilisé qu'à 2. Et derrière, lui, le capitaine de Cholet. Elio Kobo. Elio Kobo. Oh, la bonne défense de Dominique Artis. De la transition pour les Scholtais. Avec Perry Ellis, tout de suite la prise à deux. Boris Dallo ouvert. Boris Dallo. Encore, toujours Boris Dallo. Nouvelle opportunité pour égaliser avec Payton sur le bon service de Boris Dallo. TJ Campbell, il est passé mais il a perdu un peu le fil. On sort pour Payton. Perry Ellis. Oh là là là, Perry Ellis à 3 points. Cholet repasse devant. Le meneur américain qui va essayer encore d'aller provoquer la faute. Non. Si les Scholtais font faute, ils envoient les Monégasques sur la ligne des lancers. Le shoot à mi-distance, il passe devant les Monégasques grâce à Yakuba Ouattara. Boris Dallo pour la remise en jeu. Patton, ouais, c'est raté. Victoire Monégasque, fin de l'invincibilité de Cholet à la Maillerée cette saison après 12 victoires de rang.